Bonjour, bienvenue. Sur Gironde. C'est ça. Et j'ai fait construire mon atelier, en fait, qui est un espace de création, mais aussi un espace où j'ai envie d'accueillir du public et aussi un espace où j'ai envie de donner des stages, donc de transmettre. Voilà. C'est un lieu où vous pouvez exposer vos œuvres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elles sont en permanence exposées et je propose des visites sur rendez-vous tout au long de l'année. Donc effectivement, c'est un lieu très lumineux, très aéré. Et je trouve que vos toiles prennent une belle lumière ici. On a de la chance que le temps soit avec nous. Il fait très lumineux et ça ressort beaucoup les couleurs de vos toiles. Vous aimez les couleurs vives? Oui, 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 j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de lumière. Je pense que c'est lié à mon histoire personnelle aussi, je pense. Parce que vous avez grandi en oui, Afrique. J'ai grandi à Madagascar, en fait. Oui, j'ai passé toute mon enfance à Madagascar. Et c'est vrai que la terre est rouge, il y a le vert des rizières, il y a toujours des contrastes de couleurs. Et je pense que ça a influencé mon travail d'artiste peintre, qui est venu sur le tard d'ailleurs, puisque moi j'ai un parcours de comédienne, en fait. Donc je viens du théâtre et je suis passée progressivement des arts vivants aux arts plastiques. Clown aussi, j'ai animé pendant plusieurs années, des stages de clown dans une optique d'épanouissement personnel. Quand on travaille le clown, on s'autorise des tas de choses, on découvre sa créativité. Et en fait, je me suis mise à dessiner lors d'un stage de clown. Puis progressivement, j'ai eu envie de faire de l'aquarelle, des pastels et ensuite de la peinture acrylique. Explorer des choses très différentes. Je m'ennuierais à refaire toujours les mêmes séries ou le même style de tableau. Il y a des peintres qui font ça et c'est très bien, mais moi c'est pas mon truc. J'ai vraiment besoin d'aller. Je suis avant tout une exploratrice. Du semi-abstrait, de l'abstrait, oui. C'est du figuratif. Alors c'est pas vraiment figuratif. Je vais dire que c'est plutôt des allusions figuratives. C'est plutôt abstrait, mais on peut discerner des personnages, des formes plus ou moins achevées la plupart du temps. Après, en fait, j'aime bien explorer plusieurs types de... Enfin, comment dire? J'aime bien explorer plusieurs domaines de peinture. Donc, soit je vais faire des peintures qui sont plus proches de ce que j'appelle les voyages imaginaires. Donc là, on est dans l'abstraction pure, qui va être retouchée ou pas. C'est-à-dire, je pars d'une envie de peindre, de couleur, ou je pars d'une émotion, d'une sensation. Je mets de la couleur sur ma toile, et puis il peut m'arriver de laisser la toile telle qu'elle, ou alors de restructurer ensuite. C'est comme si je partais du chaos pour restructurer un espace un peu plus construit. Après, j'ai ce que j'appelle une autre catégorie de peintures qui sont plus des inspirations végétales.
Donc là, je vais m'inspirer beaucoup des troncs d'arbres, de la forme des arbres, de ce qu'ils suggèrent de personnages. Et donc là, il y a effectivement des formes qui se dessinent, qui ressemblent à des personnages. Il y a aussi les influences ethniques, donc notamment par rapport à Madagascar, je pense qu'il y a une influence assez forte. Donc là, toujours aussi en partant quand même des arbres, des écorces, mais je vais aller plus vers des formes qui peuvent ressembler à des masques ou ce que j'appelle les esprits de la forêt. Voilà, c'est un langage un petit peu énigmatique. Je pense que ça source dans cette enfance passée à Madagascar où j'étais quand même entourée de légendes, pour un enfant, des choses un petit peu étranges, des coutumes étranges. Donc je pense que ça a influencé mon devenir. Quand je peins, j'ai vraiment à cœur de réenchanter le quotidien. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en fait, de transmettre aussi un désir pour la personne qui voit les tableaux, de réenchanter son propre quotidien. Voilà. En plus de partager un imaginaire. Un arbre, je vais prendre en photo un tronc d'arbre, je vais voir dans ce tronc d'arbre des formes un petit peu qui me rappellent des personnages, et donc je vais en faire des personnages qui vont nous raconter une histoire, par exemple. Donc c'est une façon de réenchanter quelque chose qui est là et de le faire vivre. On va le raviver pour en faire quelque chose d'un peu magique, quelque chose qui nous fait voyager, qui nous emmène ailleurs. Mettre de la joie, mettre de la lumière et du mouvement aussi. De la vie. De la vie, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à dire aux internautes qui sont en train de découvrir votre site internet ? Ouh là là, j'ai pas pensé à cette question. Si vous avez jamais touché au pinceau, n'hésitez pas à le faire. C'est une belle expérience, c'est une belle aventure. C'est vraiment une aventure entre soi et soi.